Salut les amis, c'est Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très particulière parce que ça va être un truc assez commun, vous connaissez déjà. Ça s'appelle aller en course. Oui, parce que de temps en temps, même si je suis petit créateur de contenu et que j'ai dit que je m'engageais pas à faire une vidéo par semaine, il n'empêche pas que je fasse une petite vidéo comme ça quand j'en ai envie, puis qu'après je saute sur la chaîne le jour même, vous voyez. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y aura probablement une deuxième vidéo, c'est-à-dire celle-ci. Lors de cette vidéo, il y aura probablement deux changements de caméra et de qualité, c'est-à-dire que dans la précédente vidéo, je filmais avec mon ordinateur et il est probable qu'à mon retour des courses, je filme avec l'ordinateur. Bref, trêve de bavardage, on se retrouve devant Lidl, à tout de suite. Alors là, on est arrivé devant Lidl, je vais aller faire mes courses et puis je vous reprends juste après. Donc c'est bon, les courses ont été faites, maintenant il ne nous reste plus qu'à rentrer à la maison. Il ne reste plus qu'à rentrer à la maison. Je voulais mieux le formuler que ça, j'essaie de trouver une phrase particulière pour désigner le terme retourner à la maison, mais bon, je vais pas employer non plus des termes anciens. Alors oui, je suis déjà arrivé ici, surprenant n'est-ce pas? Non, en vrai je suis obligé de faire plusieurs cuts parce que les voitures n'arrêtaient pas de passer. Ça saturait le micro de la caméra, donc par conséquent, il y a certains passages que vous ne verrez pas. Des passages dans lesquels je dis des choses intéressantes. Mais c'est pas grave. Allez, on se retrouve à la maison. Un petit coup de tête, allez. Oh, wow. Ce coup de tête là, il était violent, lui. Tellement violent qu'il m'a fait faire un saut temporel jusqu'ici. C'était pas crédible du tout, hein. Je le sais, vous avez pas besoin de me le faire remarquer, c'est bon, arrêtez d'ouvrir votre grande bouche là, oh. Croyez où là? Chez mamie ou quoi? Bref, on est revenu à la maison avec les deux boîtes pour chat. Il y a déjà une boîte et demie qui est consommée. Il ne reste plus qu'une demi-moitié. Enfin, il ne reste plus qu'une demi-boîte. Et c'est pour mon petit chien. J'espère qu'il en aura assez parce qu'après il va pas arrêter de couiner. Et c'est ça qui va m'agacer au bout d'un moment. Parce que je sais que le chien il n'est plus rien. Le pauvre il a faim. Mais je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à gonfler un petit peu quand il arrête pas de couiner. Bref, ah merde putain. J'ai pas de cigarette, alors comment on va faire? Je sais! Voilà! Là c'est mieux! On est d'accord! Mais j'ai pas le briquet! Alors comment on va faire? Moi je sais! Voilà! Là c'est bien! Non mais c'était fait semblant. Je sais, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire semblant, j'arrive pas à faire la comédie. Je vous emmerde. Point barre. Bref, on est revenu à la maison. Alors je sais que cette vidéo va être un petit peu courte, mais bon, on peut pas faire autrement. Enfin, voilà, je voulais vous parler un petit peu, entre autres. Enfin, je voulais vous parler davantage de cette EP, mais bon, le problème c'est qu'il faut pas que je délivre trop d'informations parce qu'après vous allez être trop au courant, vous allez en vouloir encore plus que vous n'en avez déjà. Si je vous donne ça, vous allez me prendre ça, vous allez vouloir en savoir davantage et c'est pas bien bon pour l'avenir de ce EP qui sort courant mai. Alors je communique pas de date pour le moment, mais voilà, ça va être un truc assez exceptionnel. Et puis j'en parle assez brièvement dans la précédente vidéo, d'ailleurs je vous mettrai la vignette en fin de vidéo. Sur ce, bah, c'est la fin de cette dernière, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu possible. Si vous voulez pas qu'un orage se déclenche au-dessus de vos têtes, ou si vous voulez pas être foudroyé, c'est bien la première fois que je le dis à l'envers. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'aime bien dire deux fois prochaine, je sais pas pourquoi, je pense que ça va devenir ma trademark. Je crois bien. Ciao! Aïe aïe aïe, putain, qu'est-ce que c'est dur, vieux. Le métier de youtubeur, qu'est-ce que c'est dur.